Chers agents, l'année 2020 qui s'achève a été une année difficile. Difficile pour tous, difficile plus particulièrement pour les plus fragiles. Et pendant cette période, vous avez été là, vous avez été présent, vous avez assuré la continuité du service public. Le service public d'une collectivité, c'est-à-dire avec de l'humanité et dans la proximité. Et vous savez combien nos concitoyens y sont fortement attachés. Pour cela, je vous dis un très chaleureux et un très sincère merci. En 2021, nos concitoyens attendent que nous soyons, que vous soyez toujours là. Et nous allons ensemble, à leur service, poursuivre les objectifs. En particulier, protéger la santé des Toulousains et des habitants à travers la mutation écologique de la ville que nous allons accélérer pour une ville plus verte et plus respirable. Soutenir l'emploi dans un moment difficile en actionnant le levier de la commande publique pour nos chantiers et nos réalisations. Et puis, en matière de sécurité, nous allons continuer notre effort, recruter en particulier de nouveaux policiers municipaux et continuer à développer le réseau des caméras de vidéoprotection. En interne, 2021 sera synonyme à la fois de renouvellement et de continuité. Le renouvellement avec l'arrivée, comme directeur général des services de la mairie et de la métropole, de Éric Ardouin. J'attends de lui qu'il accentue la modernisation de la collectivité, qu'il approfondisse la transversalité, qu'il mette du lien entre les services pour une meilleure coopération entre eux. La continuité, ça sera André Thomas, qui restera à mes côtés, chargé du suivi des grands projets structurants pour l'avenir. Pour cette année 2021, j'attends de vous que vous soyez toujours là, au service de nos concitoyens, dans vos métiers, avec professionnalisme et sens du service public. À chacune et chacun de vous, je souhaite une bonne année, une année de bonne santé, et pour vous et pour vos proches, que 2021 nous permette de renouer avec la sérénité.